grande. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser la porte ouverte? Ferme-la de peur qu'un méchant ne se glisse à l'intérieur. Regarde, je t'ai apporté un petit chicharron à la sauce verte qui est vraiment délicieux. Qu'est-ce... Voyons voir ce petit sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes devant la nouvelle réceptionniste de Biogénélab. Vraiment? Ils m'ont donné le poste. Oh, ma grande, je savais qu'ils te donneraient le poste. J'ai même mis sa bougie à mon saint enfant de l'espérance et le miracle est arrivé. Eh ben, ça a marché. Je suis très excitée. Super, Marilous. Oui, écoute. Tu continues à bien t'en sortir, tu verras que si tu travailles dur et que tu t'appliques, tu vas avoir cet avenir dont tu rêves tant, ma grande. Pour l'avenir, je sais pas, mais laisser derrière soi le passé de la campagne, c'est plus que suffisant. Ah oui? Et cela à cause de quoi? Ne m'écoutez pas. Je me comprends, mais il y a des choses vraiment importantes, comme un chicharron à la sauce verte qui refroidit. Ah, eh bien, allons-y. Goûte-moi cette merveille tout de suite. Où sont-ils? Bonjour, maman. Tu ne frappes plus à la porte? C'est aussi ma chambre. Oui, c'est vrai. Maman, pourquoi t'as apporté cet album de vieilles photos? T'aurais dû apporter quelque chose de plus important. Ceci est la chose la plus importante que je possède. Ce sont mes plus beaux souvenirs. Il y a des choses du passé qui ne doivent pas être oubliées. 54 centimètres. Et 3 kilos, 100 grammes étaient tes mensurations à ta naissance, ma chérie. Regarde cette photo quand tu étais bébé. J'étais super petite, ah, oui. Maman. Dana, je pense que j'ai été assez dure avec toi ces derniers temps. Peut-être que j'ai dit des choses qui ont pu te blesser. Je veux que tu saches, mon cœur, que je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Oh. T'es la meilleure. Oh. Je t'aime fort. Ces photos vont obtenir 1 000 000 de gemmes à partir de maintenant. Oui, ma princesse, oui. Oh, Heriberto. Comme la vie que nous avions me manque. Je me sens tellement seule, Heriberto, pourquoi? Comme aujourd'hui, on a passé toute la journée sur la plage, demain je vais aller faire du shopping. Comme ça, je vais m'acheter des vêtements cool avant de retourner au travail. Et si nous restions à Miami Beach plus longtemps, ma poupée? Que pourrais-je vouloir de plus? Mais je ne peux pas continuer à demander ça à la compagnie aérienne. Et si tu démissionnais? Parce que si tu le fais, nous pouvons profiter de cet appart que j'ai justement loué pour ça. Ah. N'es-tu pas fasciné par cette idée? Voyons voir, Heriberto. Et si jamais je démissionnais, et que t'en avais marre de moi pour retourner auprès de ta femme et de tes enfants? Si je te demande de rester, c'est parce que je veux m'engager envers toi. Grâce à ces journées, j'ai compris que lorsque mes problèmes fiscaux seront résolus, je pourrai avoir une nouvelle vie. Qu'en dis-tu, ma petite Anna? Comme je vous l'ai déjà dit, il est encore trop tôt pour avoir des résultats concluants. Docteur, soyez honnête avec moi. L'opération a-t-elle fonctionné? L'opération va aider votre frère à retrouver sa sensibilité à partir de la taille. Mais cela ne veut pas dire qu'il va retrouver sa mobilité. Est-ce que ça veut dire qu'il ne marchera plus? On ne le sait pas encore. Les examens doivent être poursuivis, la thérapie de rééducation doit être commencée, et il faut être patient. Mon frère a été plus que patient. Depuis l'âge de 7 ans, il est emprisonné dans cette chaise. Et chaque traitement, chaque opération, est une nouvelle frustration pour lui. Je comprends. Cependant, c'est le seul chemin que nous pouvons suivre. Et si cela ne fonctionne pas, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus rien à faire. Mais nous le savions depuis le début.
Désolée de t'interrompre, je t'ai apporté une tasse de thé. Non, maman, assieds-toi. Tu ne m'interromps jamais. Et avec ces petits thés qui sont... comme un câlin chaleureux, un petit câlin chaleureux qui me remonte toujours le moral. Oh, ma fille. Merci. La vérité, c'est que je suis aussi venue ici parce que... je ne crois pas que tu sois comme ça à cause de la pression ou de la fatigue. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais... tes yeux me disent autre chose. Je ne veux pas t'inquiéter. Mais il y a bien autre chose. Allons dessous. Ne me dis pas que ce satané bougre t'embête. Non. Demain, nous aurions été ensemble depuis 8 ans. C'est pourquoi nous avions prévu le mariage à ces dates pour... pour le célébrer ensemble en étant mariés et... Oh, ma chérie. J'imagine ce que tu ressens. J'adorerais ne pas me souvenir d'Alonso. Mais là où je m'y attends le moins, des choses surgissent et me le rappellent. Oui, ça a duré plusieurs années. C'est normal qu'il ne soit pas facile de l'oublier. Et je veux penser qu'un jour... qu'un jour je l'oublierai, maman. Que je vais continuer à vivre ma vie sans penser ou me souvenir de lui. Tu verras que le jour où Alonso sortira de ton cœur, tu tomberas à nouveau amoureuse. Non, maman, non, te fais pas d'illusions. Je ne veux même pas penser à tomber amoureuse. Je trouve qu'il est déjà difficile de laisser Alonso derrière moi et l'abo ancestral, mes soi-disant amis au travail, pour penser à un partenaire. Surtout pas. Non, maman, non. Il y a des choses plus importantes. Quoi ? Le médecin a dit que c'est une question de temps et que tu vas te rétablir. C'est pas comme si j'allais partir de l'hôpital en courant non plus, n'est-ce pas ? Non. Mais le médecin est sûr que la mobilité de tes jambes s'améliorera. Avec de la thérapie et avec du temps et de la patience. Attends, Dario, réponds à ma question. Je vais remarcher, oui ou non ? J'ai envie de dire oui. Et toi, tonton, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, eh bien, je dis que tu dois le visualiser et que tu le décrètes. C'est déjà visualisé et décrété. C'est ça. Ouais. C'est ça. En vérité, je pensais que tout ça n'allait pas servir à grand-chose. Mais merci à vous deux. Pourquoi ? De m'avoir encouragé. Et à toi, Dario, pour avoir insisté et insisté et insisté. J'ai fait cette opération que parce que tu n'as pas cessé d'insister. Alors, merci, mon frère. Oh, il nous manque encore des lits. Mais tu ne peux pas nier qu'au moins au niveau matelas, c'est plus reposant qu'un matelas d'occasion usé. Oui, en fait, j'ai un peu mieux dormi. Mais j'aurais aimé rester un peu plus longtemps, hein. Maman, qu'est-ce qui se passe avec mes frères? Pourquoi est-ce qu'ils n'aident pas à cuisiner? Comment ça, pourquoi? Parce que ce sont des hommes, ma chérie. Quoi? Et alors, maman? Je veux dire, tu devrais leur dire de venir aider à la cuisine aussi, c'est pas bien. Oh, tu ne sais pas à quel point je rêve du jour où je pourrais engager une fille pour nous aider. Mais pour l'instant, c'est notre tour. Oh, il est déjà très tard. Donc, comme tu n'es pas encore à l'école, celle qui va devoir préparer le petit déjeuner, c'est toi, d'accord? Bon, je vais dire à tes frères de se dépêcher. Bonjour. Je suis ici pour prendre mon poste comme réceptionniste. Je suppose que vous allez me guider et me dire ce que je dois faire, n'est-ce pas? Vous, madame? Oui. Mais il y a déjà une nouvelle réceptionniste. Il manquait plus que ça. Ici, la réceptionniste, c'est moi. Désolée, madame. Le fait est que je suis déjà employée. Ah oui? Alors parlons au gars des ressources humaines. Et ne t'installe même pas, fillette, parce que la personne qui va quitter le poste, c'est toi. On verra ça, madame. Oui, nous verrons cela. Tu veux quelque chose? Non. Je vais t'emmener à la thérapie. Voyons ce qu'il en est. Parce que, pour te dire la vérité, je remarque rien de différent dans mes gens. Sois patient. Dario, si tu veux aller travailler, alors vas-y, je suis responsable ici, oui. Du jeune homme. Je vais laisser ça dans la chambre. Ouais. Voilà, jeune homme, l'eau est bien fraîche. Merci, tonton. Ah.
bientôt. Bonne chance. Au revoir. Je n'exclus pas encore définitivement Mauro. Je voudrais simplement évaluer d'autres candidats. Ah oui, ou plus absurde encore, hein? Javier, tu peux te fier à l'opinion de ta sœur. J'ai confiance. Mais s'il doit être mon assistant, pourquoi ne devrais-je pas le choisir aussi? Dis-lui non, papa. Je comprends que tu veuilles former ta propre équipe, mais je te demande simplement de compter sur les ressources humaines pour te mettre en contact avec les meilleurs chasseurs de têtes. Définition de ceci, ineffable. Excusez-moi. Madame, la responsable des ressources humaines vous cherche. Allons-y. Car si je reste là, je vais avoir besoin d'une greffe de foie. Marie a raison, il n'y a pas de malentendu. Marie-Louise Blanco a été engagée comme nouvelle réceptionniste. Alors vous vous êtes moqué de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de vous déranger, mais Madame Medina de Cruz insiste sur le fait qu'elle est la nouvelle réceptionniste. C'était mon erreur, d'accord. Parfois, moi-même, je me trompe. J'ai oublié de lui dire que le poste était pour Madame Carmen, car c'était aussi une décision de dernière minute. Eh bien, et alors? Qu'allons-nous faire de la fille que nous avons embauchée? D'ailleurs, elle me remplace en ce moment même à la réception. Vous vous souvenez de Marie-Louise? Vous l'avez rencontrée hier. Et s'il vous plaît, reprenez-vous. Vous m'ennuyez avec toutes ces futilités. Je finis toujours par tout résoudre pour vous. Pour l'instant, Carmen reste à la réception. Des objections? Non. Merci, non. Fabiola. Je savais que tu allais réparer cette confusion, comme tu es mignonne. Reprenez-vous, vous aussi. Ça me choque que vous me léchiez les bottes. Que devons-nous dire à Marie-Louise maintenant? Tu restes comme auxiliaire de la réceptionniste principale. Madame, je vais vous former avant de prendre ma retraite. Ça va pas être aussi facile que je le pensais, mais tant pis. Voyons voir, Marie. Dites-moi quelles sont mes fonctions. Mais ce sera temporaire, car je suis sûre que plus tard, je serai transférée dans le domaine des relations publiques. Ici, sur la tablette, il y a les contacts et les emplois du temps. Est-il essentiel de l'utiliser? Parce que j'utilise très bien mon téléphone, mais pas cette tablette. En plus, mon téléphone est d'une autre marque. Oui. Écoutez, ce n'est pas si compliqué. Venez, venez, venez. Voyons voir. Ici, alors... Marie-Louise. Ici. Félicitations pour ton nouveau travail. Je te félicite. Bonjour, mesdames. Bonne chance. Je déteste vous dire ça, mais il y aura d'autres candidats pour le poste de conseiller de mon frère. Ce que je vous promets, c'est que je veillerai à ce que vous restiez à Biogenelab. C'est dommage, mais je ne veux pas que vous vous sentiez obligé envers moi. C'est parce que je vois bien que vous avez beaucoup d'expérience. Vous seriez un excellent atout pour l'entreprise. Merci beaucoup. Je suis donc en attente pour rencontrer votre frère et lui montrer que je peux être son bras droit. Non, au contraire. Merci à vous, madame. Qu'est-ce que tu vas étudier maintenant que tu as fini le lycée? Eh bien, je sais vraiment pas, tonton. J'y ai pas réfléchi. Oh, mais c'est pas grave de ne pas savoir. Mais rien n'attire ton attention. Du côté scientifique, comme ton frère ou comme ton père. Ton père était un as dans ce qu'il faisait. C'était un génie de la biologie, la science. La vérité, c'est que je n'ai jamais pensé que je ferais la même chose que mon père, alors que je me souviens à peine de lui. Dis, comment il était? C'était un type formidable. Il était bon et honnête, travailleur. Et ma mère? Parce que vous ne me dites jamais rien sur elle. Ce qui se passe, c'est que...
Moi, Priscilla, je ne l'ai pas beaucoup connue. Non. Et pourquoi? Eh bien, parce que moi, j'ai passé plus de temps avec Vicky, la mère de Dario. J'étais très proche d'elle quand elle était malade. Et aussi quand elle est morte. Le cancer est vicieux, n'est-ce pas? Il te ronge. Eh, tonton... Hein? Et... T'as jamais parlé à ma mère? Si, nous nous sommes dit bonjour un jour. Et... Bon, alors, qu'est-ce que tu vas manger? Oh, vous ne savez pas à quel point je suis anxieuse à l'idée que vous partiez. Je vais devoir faire tout le travail, elle ne sait rien faire. Je te laisse aux commandes. Oui, allô? C'est Terré. Dès que Renata Sanchez Vidal arrive, dites-lui de se présenter immédiatement à la présidence. Bien sûr, ma belle Terré. Tout va bien, madame? Oui, tout ce que je dois faire, c'est envoyer une employée au bureau de Monsieur Mascaro, ça va? Et vous savez qui c'est? Je veux dire... Non, non, je ne connais pas tout le personnel, mais je vais juste regarder le badge. Moi, si vous voulez, je vous aide. Dites-moi juste qui vous cherchez. Est-ce que tu penses que je suis stupide, au point de ne pas être capable de le faire? De plus, cela m'aidera à savoir reconnaître les gens. Puisque Monsieur Mascaro la cherche, je suis sûre que c'est quelqu'un d'important, parce qu'il n'est pas du genre à parler à n'importe qui. Bonjour, les filles. Bonjour. Oh non, fais pas cette tête. Fais au moins un peu semblant de ne pas détester la nouvelle déco de mon bureau. Eh bien, Fabi, sache qu'aujourd'hui, j'ai organisé une rencontre avec certains candidats pour faire partie de mon équipe. Je te rappelle juste que tu dois faire tous les papiers pour que l'on attribue ton flamboyant poste de direction de bioinformatique. Et encore un de plus. Voilà. C'est ce petit maigrichon, c'est lui le salaud. Hey, toi, quoi de neuf, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cassé la jambe de ma femme, mais... Moi? Quoi? Comment ça, quoi? Maintenant, tu me paies tout ce que j'ai dépensé pour le médecin, les repas, attendez, les cures, attendez, les béquilles, avec quel tout le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, quel argent? Je m'en fiche avec quel argent. Sinon, ça va mal aller pour toi. Oui, allez, allez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde comme m'a laissé, tout ce que je voulais, c'était être maigre. Eh bien, tenez bon. Comment vous pouvez maigrir si vous mangez autant que ça? Je peux pas, vous avez Yolanda, attendez. Yolanda, Renata devait arriver il y a une heure. Je sais. Mais je l'ai appelée directement sur son portable et ça m'a envoyé sur la messagerie. Vous voulez qu'on aille la chercher? Non, je ne peux pas attendre plus longtemps. Excusez-moi, monsieur, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être... qu'elle est malade? Eh bien, ce serait la seule excuse valable. Vous pouvez y aller, Terré. Excusez-moi. Papa, il est temps d'aller voir les Fun City. Ou as-tu des doutes sur les propositions que je t'ai présentées? Mais non, pas du tout. Allons-y, Isidro. Ma chérie. Oh, je m'endors et je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que je dois faire. J'ai essayé de faire en sorte que Monsieur Mascaro me reçoive et me mette au courant des avancées. Mais il est toujours occupé, maman. C'est la même chose que toi. Même si la journée faisait 30 heures, même ces 30 heures ne vous suffiraient pas. C'est mon téléphone. Attends. Oui? Oui, Terré, bonjour. Ça fait des heures que j'ai demandé à la réceptionniste de t'envoyer à la présidence, puis je t'ai appelé sur ton portable et rien. Tu viens d'arriver, pourquoi tu n'es pas venue? Non, je suis même arrivée plus tôt, mais personne ne m'a rien dit. Ah, mon téléphone portable est en mode silencieux, comme je travaille. Tu veux que j'aille à la présidence tout de suite? Non, c'est plus la peine. Monsieur Mascaro est parti dans une telle colère que qui sait ce qui va se passer ou ce qu'il te dira à son retour. D'accord. Eh bien, je vais rester joignable, Terré, d'accord? Merci beaucoup. Oh non, j'attends mon rendez-vous et je l'ai pas parce que cette dame est sûrement dans la lune. Pardon? Non, rien. C'est pas possible. Voilà la proposition que mon père et moi avons pour vous rendre votre investissement. Évidemment avec un intérêt et dans les délais les plus courts possibles. Voyons voir. Non, cette proposition ne nous convient pas. Nous avons besoin de l'argent maintenant. Sinon nous devrons poursuivre Biogenella avant justice. Voyons, Claudio, c'est le meilleur plan pour récupérer votre argent le plus vite possible. Désolé, mais non. Silvano, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Voyons voir. Nous avons une contre-proposition. Nous arrêtons de vous mettre la pression, et en échange, je vais travailler dans vos laboratoires. Nous n'avons aucun problème avec cela. Dis-moi, quel poste tu veux occuper?
C'est simple. La présidence de Biogenéna. Pardon ? Je ne serai pas longue. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Et tu as l'air très énervée. Avec qui tu vas te disputer ? Non, je vais me disputer avec personne. Je vais juste dire à la dame que si Monsieur Mascaro m'appelle, je me fiche qu'elle m'aime ou non. Elle doit me le faire savoir. Eh ben, dis donc. Alors là... Madame, vous ne le savez pas, mais mon nom est... Renata ? Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai un entretien d'embauche. Mais je suis presque sûr que nous allons retravailler ensemble. Personne ne sait comment guérir à cœur blessé. Parce que même lorsqu'il semble guérir, il y a toujours un risque que quelque chose d'inattendu puisse rouvrir les blessures. Poster une photo, commenter sur les réseaux, avec votre compte ou celui de quelqu'un d'autre, est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Ce qui est mis en ligne reste en ligne pour toujours. Réfléchissez avant de cliquer. Et si vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el paso y respetar.